Voilà, voilà, bonsoir à vous toutes et tous. Vous êtes à la jeunesse? Ouais, il y a un enthousiasme et puis il y a un petit peu des plus âgés aussi parmi vous ce soir. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir et de vivre cette soirée ensemble. C'est une grâce. On espère que vous avez passé une belle journée et puis ce soir, eh bien, c'est la soirée que l'Éternel a faite. Amen. On va se réjouir dans la présence du Seigneur. Et nous accueillons de tout cœur, parce que vous savez que la vie avec le Seigneur, c'est une question de cœur à cœur. Et ce soir, nous allons nous approcher du cœur de Jésus, de celui qui a donné sa vie à la croix. Et les questions de la croix ce soir, je vais prier. Est-ce qu'on peut peut-être se lever? On accueille aussi celles et ceux qui sont en ligne. Bonsoir. Merci aussi de suivre surtout le Seigneur. Puis ensuite, vous pouvez un petit peu nous suivre quand même. Soyez bénis dans vos foyers, soyez bénis là où vous êtes. On se réjouit de passer cette soirée. Je vais prier. Père, c'est vrai, nous te bénissons parce que nous pouvons nous placer devant toi, parce que tu nous as aimés en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grande démonstration, Seigneur, que ton amour donné, ton sang versé à la croix. Et ce soir, Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir te bénir, Seigneur, et tu es de toute manière béni. Et en plus, dans ta présence, nous sommes bénis. Et ce soir, nous voulons ouvrir nos cœurs et te prier, Seigneur, pour une présence tangible. Une présence, Seigneur, non seulement dans nos cœurs, mais dans l'Assemblée, bien sûr. Et nous te remercions parce que partout où tu passes, par l'Esprit, par la puissance de ton Esprit, tu veux nous bénir, tu veux, Seigneur, nous toucher, tu veux nous attirer à toi. N'as-tu pas dit, Seigneur, tu es ou je suis plutôt le chemin, la vérité et la vie? Et tu as dit, nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, nous voulons rencontrer ton cœur de Père ce soir encore. Et pour cela, nous voulons nous réjouir dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. On va accompagner, vous êtes d'accord, la louange ce soir. On va pas être spectateur, on va être acteur. Et puis, on va bénir l'Éternel avec vous. Soyez bénis. Merci. Amen. On vous invite à entrer dans la louange avec nous. On veut se réjouir parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Il est bon et fidèle, il ne change pas. Et on veut proclamer sa bonté qui n'a pas de fin, sa grâce qui est sans limite. Chantons ensemble. Je veux le croire.
Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons déclarer qu'il est présent dans ce lieu. Nous croyons qu'il est présent dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ce rendez-vous que tu nous donnes ce soir. Merci parce que tu as quelque chose à dire à chacun de nous. Et nous voulons nous approcher de toi avec assurance, en sachant que tu nous accueilles. Et nous pouvons t'appeler Père, et nous pouvons chanter ensemble comme des enfants qui s'adressent au même Père. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit notre Père.
À toi la gloire, Jésus. À toi le règne. À toi la puissance pour tous les siècles. Pour tous les siècles. Car tu es élevé, tu sièges à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons. Sois élevé à jamais, Jésus. Alléluia. Je prospère.
qui tu es au milieu de nous, Seigneur. On veut te remercier encore pour ta présence, Seigneur. Tu nous as donné rendez-vous ce soir, Seigneur, et tu es là parmi nous, et je t'en prie, Seigneur, de faire ton œuvre encore parmi nous, Papa. Viens toucher les cœurs de chaque personne qui est là. Viens toucher mon cœur. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Quand ça va bien, tu es là. Quand ça va mal, tu es là aussi, Papa. Et on te prie, Seigneur, de venir, Seigneur, dans chaque circonstance de nos vies, Seigneur. Dans chaque situation de nos vies, Papa, tu es là. Aucune situation n'est impossible à toi, Papa. Et merci parce que ton nom est merveilleux. On vient de le chanter, Papa. Et qu'on puisse saisir cette vérité. Ton nom est précieux, ton nom est merveilleux et ton nom est au-dessus de tout autre nom.
Tu as gagné sur la mort, ta gloire. Sais-tu que tout ce que nous avons proclamé ce soir dans le chant, rien n'est inventé. Tout est tiré de ce livre, la parole de Dieu. C'est la révélation du cœur du Père. Sais-tu que la Bible est le best-seller de toute l'histoire de l'humanité? C'est le livre le plus vendu, c'est le livre le plus lu, c'est le livre qui sera le plus vendu et c'est le livre qui sera le plus lu. Et c'est pas pour rien que le diable veut détruire la parole de Dieu. C'est le livre peut-être qui a été le plus brûlé aussi. Tout simplement parce que c'est la parole vivante de Dieu. Et ce soir, si tu recherches des réponses dans ta vie, ou parce que le Seigneur connaît ta vie, il t'a créé selon son cœur. Moi, je ne connais pas ta vie, heureusement peut-être. Mais le Seigneur connaît ta vie ce soir. Alors pourquoi ne pas ouvrir la parole de Dieu quand tu as des questions, quand tu recherches peut-être des directions? Attention, ce n'est pas un horoscope, hein. C'est la parole de Dieu. Parce qu'on pourrait aussi prendre la parole de Dieu comme un horoscope, enfin bref. Malheureusement, on peut aussi la détourner, mais ce soir, peut-être que c'est un retour à la parole de Dieu dans ta vie. Peut-être que c'est un retour vers le cœur de Dieu au travers de la parole de Dieu. Et je voudrais t'adresser ce soir un psaume peut-être qui va correspondre à un besoin de ta vie. Je ne la connais pas, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le principal, c'est que Dieu connaît ta vie parce qu'il t'a créé avec passion dans le sein de ta mère. Et chaque fois que, de jour en jour, quand les cellules se mettent en place, quand il y a eu cette créature merveilleuse, parce que tu es une créature merveilleuse, la parole de Dieu le dit, tu es unique, eh bien, il t'a créé avec passion, jour après jour, minute après minute, il te tisse avec passion, parce qu'il est passionné de toi et pour toi. Alors, c'est pas étonnant qu'il y en a un qui veut te détruire ta vie, qu'il y en a un qui voudrait te décourager, qui voudrait te pousser à bout. Et peut-être que ce soir, tu te trouves comme David, parce que ce qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est que tu peux pleinement t'y retrouver. Ça fait quand même plaisir de lire la Bible et de te dire, mais c'est comme si ça avait été écrit pour moi, rédigé pour moi. Et ce psaume 13, c'est David qui l'adresse à des chantres. Alors, il semble que c'était chanté, il chante sa souffrance. Mais regarde ce qu'il a dit, et je pense que ce soir, ça va te correspondre. Psaume de David. Il y a une question, jusqu'à quand Éternel m'oublieras-tu sans cesse? Ça commence fort là, hein? Jusqu'à quand Seigneur est-ce que tu vas m'oublier? Tu peux poser ces questions au Seigneur, parce que David l'a fait. C'est pas une religion, c'est une relation, c'est ce cœur à cœur avec le Seigneur. Peut-être que tu as des moments difficiles. Et si on continue, il a même dit, mais jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? T'as pas l'impression des fois que le Seigneur se trouve tellement loin de toi? Oui, alors bien sûr, il te regarde des cieux, mais ce qui est formidable, c'est quand Jésus-Christ est proche de toi. Mais des fois, les circonstances sont là et tu ne le sens plus. Alors, on n'est pas là pour sentir le Seigneur. Parfois, il nous donne la grâce de pouvoir sentir sa présence, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu me caches ta face, Seigneur? Verset 3, ça peut aussi te correspondre, je pense que ça me correspond aussi. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Ça te parle peut-être ce soir? Peut-être que tu es inquiet, situation de vie, défi de vie, mais le Seigneur cherche ton cœur pour voir comment est-ce que tu recherches sa face. Et là, David, même s'il a ses questions, il veut rechercher la face de Dieu, mais lui pose honnêtement ses questions. Alors jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Ben oui, David pleurait aussi, peut-être que tu pleures depuis quelques jours, peut-être que tu recherches, tu languis après la présence du Seigneur. Il va même plus loin, il dit, mais jusqu'à quand mon ennemi va s'élever contre moi? Ça me parle aussi, ça. Peut-être qu'il y a des ennemis, peut-être qu'il y a des oppositions dans ta vie.
Verset 4, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Il s'adresse toujours à Dieu, tu vois. Il va pas consulter, je parlais d'horoscope, il va pas consulter des marabouts, il va pas consulter des voyants. Au secours, qu'est-ce qu'un voyant peut voir dans ta vie? Il connaît rien de ta vie. Va vers le Seigneur. Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Et donne à mes yeux la clarté. C'est lui qui va clarifier ta vie. C'est lui qui va donner de la lumière dans ta vue, dans ta vie, pour que tu puisses voir correctement les choses en face. Alors donne à mes yeux de la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Vous rendez compte, il en était loin quand même dans son désespoir, David. La parole de Dieu va toujours te rejoindre au plus extrême de ce que tu peux vivre. Et je veux te rassurer parce que beaucoup ont vécu ce que tu as vécu. La Bible va retranscrire ce que beaucoup ont vécu déjà avant toi. Donc c'est un livre dans lequel tu peux pleinement te retrouver. Verset 5, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. C'est vrai, des fois, on pourrait croire que, voilà, il y en a qui se réjouissent de notre chute, de notre malheur. Oh, il y a des jaloux dans la vie. Je pense que tu le sais. Il y en a qui sont jaloux de qui tu es. Et malheureusement, dans les cœurs, des fois, il y a des mauvaises choses qui se passent vraiment. Afin que mon ennemi, je répète, ne dise pas, je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Ah ouais, des fois, on peut chanceler dans sa vie. Il y en a qui se moquent de toi. Peut-être que tu chancelles. Reste fort, forte dans le Seigneur, dans cette grâce de trouver ce que tu as besoin dans la parole de Dieu, en prenant toujours cette grâce de t'approcher de l'Éternel. Amen. Regardez verset 6, on connaît, on l'a déjà chanté. Hein. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je vais même le chanter. On va voir la pianiste, elle va m'accompagner. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Merci pour l'écho que vous avez mis là-dedans. Ça améliore, hein? Soyez bénis. Divine, tu as un nom divin parce que tu es animé de la grâce de Dieu. Tu es divine pour le Seigneur. Merci pour les annonces. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. En tout cas, bah, merci le groupe Louange parce qu'on a vraiment passé un temps béni. Et je pense vraiment qu'il y a eu cette connexion entre le ciel et la terre, comme on dit. Oui. Alors, ben, comme toujours, les vendredis soirs, on commence par cette fameuse question. Est-ce qu'il y a des nouveaux aujourd'hui avec nous dans la salle? Et si c'est le cas, levez la main qu'on puisse vous accueillir. Oui, oui, il y en a. Il y en a. Yes, deux. Bienvenue, bienvenue à vous deux. Et vraiment, ben, soyez... ben, soyez confortables ici, c'est la maison du Seigneur. On vient comme on est, avec le cœur ouvert. Et vraiment, ben, j'espère que Dieu il a un truc pour vous, les nouveaux, mais aussi pour vous tous qui êtes ici. Et oui, voilà, merci d'être là. Et sinon, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu leur anniversaire cette semaine? Si c'est le cas, levez la main. Oh, ok, ok, il y en a pas mal. Joyeux anniversaire, on peut les applaudir. Soyez bénis. Et si vous connaissez quelqu'un personnellement qui a eu son anniversaire, pensez à envoyer un petit message. C'est toujours, ça peut être encourageant. Et surtout que voilà, leur vie compte. En tout cas, ben, j'espère pour vous. Donc pensez à eux. Oui. Et sinon, ben, les rendez-vous de la semaine, vous les connaissez. Le dimanche, culte à 9h et 10h45. 10h45 avec une retransmission sur YouTube et on vous encourage à venir, notamment les jeunes. Venez le dimanche parce que c'est toujours des moments bénis, c'est des messages forts, c'est vraiment de la communion les uns avec les autres et on gagne autant que le vendredi soir. Donc venez le dimanche matin, ça fait du bien aussi.
Et sinon, tous les mardis, les cours bibliques sur le thème de la valeur du royaume de Dieu. Donc, vous êtes invités à venir. C'est encourageant, c'est vraiment édifiant. Et ça permet toujours plus de connaître la parole. Et on le sait, la parole, c'est la base. Voilà, c'est le guide de notre vie. Sinon, 27 novembre, c'est cette semaine, les baptêmes. Il y aura une session de baptême à 17h. Venez pour être témoin aussi de cette promesse, de cette alliance qui se crée entre les futurs baptisés et le Seigneur. Ils témoignent eux-mêmes de leur vie avec Dieu, quoi. Donc c'est toujours un beau moment. Il faut venir inviter des gens, ça encourage. Et voilà quoi, ça encourage dans la foi aussi. Et sinon, le 18 décembre, il y a le concert Héritage. On en avait parlé déjà la semaine passée, mais vous êtes vraiment invités à venir pour vous inscrire. C'est un peu compliqué, c'est un peu petit, mais il faut scanner. Ok. Donc voilà, inscrivez-vous, c'est obligatoire. Ok, du coup, il y a des affiches dans le hall, donc vous pourrez aller scanner le QR code pour ensuite tomber sur la bonne page. Et sinon, demain samedi, les jeunes, il y a soirée jeux et pizza. Donc venez, c'est toujours des bons moments, c'est détente, on discute, on rigole. Selon les jeux, on s'embrouille aussi un peu, mais c'est toujours dans l'amour. Donc venez, si vous avez besoin de contact, d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Nicolas ou Seb. Et autrement, approchez-vous de quelqu'un ici, il pourra vous rediriger. Et voilà quoi, j'en ai terminé pour les annonces. Soyez bénis pour la suite de cette semaine. Merci. Merci Divine, merci à vous tous ce soir, merci d'être là. Ce soir, c'est la famille de Dieu, c'est la famille du réveil qui se réunit de tout âge. Prenons le temps de nous saluer les uns les autres. Prenons le temps de regarder autour de vous. Il y a les jeunes qui sont là, mais regardez, il y a aussi des... Prenons le temps. Peut-être que ce soir, vous découvrez quelqu'un qui occupe votre banc d'habitude, votre place d'habitude. N'hésitez pas à bouger quelques instants. Allez oser franchir la barrière des âges. Voilà. Le temps de bien ajuster le micro. C'est bien, il y en a qui font des efforts, qui se sont levés. Merci. Merci beaucoup. Salutations à tous ceux aussi qui peut-être nous rejoignent ce soir en direct sur notre chaîne YouTube d'Impact. Ce soir, c'est sur Impact Jeune, où vous nous retrouverez plus tard dans les jours à venir. Merci d'être à l'écoute de ce message, de ce temps que nous partageons ensemble ce soir. Alléluia. C'est une soirée où nous voulons mettre le message central de l'Évangile en avant. Et ce message, c'est Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul disait, nous prêchons Christ crucifié. Et ce message de la croix, c'est le message qui a traversé les siècles, les générations, qui a traversé les continents, les nations. C'est le message, le seul message par lequel nous pouvons obtenir la réconciliation auprès de Dieu. Les hommes peuvent essayer plein d'efforts, plein de religions, plein de commandements, plein de recherches mystiques et tout ce que vous voulez, mais il n'y a qu'un seul message qui nous permet de nous rapprocher du cœur de Dieu, c'est la prédication de la croix, le message de la croix, le message de l'espérance, le message du salut. Et ce soir, c'est ce message que nous voulons partager ensemble. Et le titre de cette prédication, c'est « Comment portez-vous votre croix ?» Portez sa croix. C'est une expression de la vie courante, n'est-ce pas, maintenant? C'est porter sa croix, c'est quoi? C'est subir, c'est supporter. Des fois, on dit c'est belle maman. Non, il ne faut pas dire ça. Hein. Moi, j'ai une belle maman qui est extraordinaire. Ma femme regarde et me dit, qu'est-ce que tu dis? Je le dis, j'ai une belle maman qui est extraordinaire. Enfin, je ne sais pas, peut-être vous êtes en train de réfléchir, mais quelle est donc la croix que je porte dans ma vie? Et vous avez peut-être l'impression de dire, il y a des choses que je porte, que je supporte. Un environnement familial qui est parfois lourd à porter, un environnement professionnel, un environnement de santé, un environnement physique, un environnement... Voilà,
et c'est votre croix. Et quand on dit porter sa croix, vous savez, c'est pas simplement le fardeau, le souci d'un jour. Il y a des nuages qui passent dans nos vies, mais porter sa croix, c'est quelque chose qui semble peser jour après jour sur notre marche. Et on a du mal à se relever. Et vous savez, il y a pas d'âge pour ça. Des jeunes, des ados sont là ce soir au milieu de nous. Et déjà, quelque part, vous commencez à porter une croix dans votre vie. Une souffrance qui est là. Peut-être le divorce de vos parents. Peut-être des difficultés dans votre collège ou ailleurs. Et une maladie, une souffrance. Et c'est une croix des paroles qui sont sur votre vie. Et je crois que c'est des choses qui sont là, qui sont accablantes. Et on voudrait savoir, mais qui pourrait nous débarrasser de cette croix? C'est donc une expression qui est rentrée dans la vie courante. Mais savez-vous que c'est une expression qui vient des Écritures, qui vient de la Bible? C'est une parole de Jésus lui-même. C'est Jésus le premier qui a parlé de porter sa croix. Alors ce soir, nous allons essayer de voir un peu ce qu'il veut dire. Et la première des choses que nous devons comprendre, surtout quand nous sommes dans une église, c'est que porter sa croix, ça n'a rien à voir avec avoir un pendentif autour du cou, hein. Ça, c'est absolument pas porter une croix. C'est rien du tout. C'est juste un objet de métal ou de métal précieux ou de métal vulgaire. Mais enfin, peu importe. Et ça, évidemment, c'est absolument pas ça pour porter sa croix. Et la question, en fait, nous allons partager ce soir, c'est un message très spirituel parce que porter sa croix, la manière dont nous portons la croix que nous portons, en dit long sur le lieu où nous nous trouvons dans notre marche avec Jésus-Christ. Je vais m'arrêter sur quatre textes rapidement ce soir qui vont nous permettre d'avancer dans cette pensée. Le premier texte, nous le trouvons dans l'évangile de Luc, et les diapositives vont apparaître au fur et à mesure. Luc chapitre 14, versets 25 à 27. Je fais la lecture, vous arrivez à voir, oui c'est bon. De grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. » Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le texte commence par nous dire que de grandes foules suivaient Jésus. Ces foules s'étaient attachées à Jésus. Elles avaient quitté village, ville, l'endroit où elles vivaient pour s'attacher aux pieds du Seigneur parce que elles avaient non seulement entendu les paroles de Jésus, mais elles avaient vu ce que Jésus faisait. Elles avaient vu les miracles que Jésus accomplissait. La guérison des malades, des aveugles, des sourds, des boiteux, des démons qui étaient chassés, des paralysés qui se relevaient. Elles avaient même entendu parler de morts qui ressuscitaient. Voilà tout ce que Jésus faisait. Et lorsque Jésus parlait, ces paroles touchaient les cœurs parce que c'est vraiment des paroles qui venaient directement du ciel. Et Jésus était regardé parmi ces foules comme un grand prophète. Voilà quelqu'un qui vient de Dieu. Voilà quelqu'un qui nous apporte quelque chose de nouveau. Et donc ces gens étaient prêts à tout abandonner, à tout laisser pour suivre Jésus dans l'espérance d'entendre quelque chose de nouveau de la part de Jésus ou de voir Jésus faire une œuvre. Et donc Jésus est là avançant à la tête de cette foule et derrière lui il y a tout ce cortège d'hommes, de femmes et pendant ce cortège, eh bien, qui pourrait ressembler au nôtre ce soir, il y a des gens qui ont été bénis, il y a des gens dont la vie ont été transformées, il y a des gens qui sont là parce qu'on leur a peut-être dit « Allez, viens avec nous et tu vas voir ce qui se passe lorsque on s'approche de Jésus. » De grandes foules. Qui n'aime pas les grandes foules, surtout quand elles vous suivent? Mais Jésus ne s'arrête pas à considérer les grandes foules. Ce qui l'intéresse surtout, c'est le cœur de chaque homme. Et au milieu de toute cette grande foule, il connaît chacun de ceux qui sont là comme il nous connaît chacun d'entre nous ce soir, tel que nous sommes. Et il a un message à nous adresser comme il avait un message à leur adresser ce jour-là. Et ces gens suivaient Jésus, je ne sais pas donc depuis combien de temps ils le suivaient, mais pour certains, ça faisait déjà quelques temps. Et ils étaient donc dans l'attente. Qu'est-ce que va faire Jésus? Qu'est-ce que va dire Jésus? Et voilà que Jésus s'arrête, que Jésus se retourne vers la foule. Et là, alors, j'imagine que l'attente est grande. Ah, il va parler. Ah, il va faire quelque chose.
Peut-être ce soir êtes-vous venu dans ce lieu, dans cette attente. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire au milieu de nous? Et si vous êtes dans cette attente, alors soyez convaincus que Jésus est capable de faire quelque chose de grand pour vos vies. Mais la surprise va être très grande aussi. Autant que l'attente de ces choses, de ces gens. Parce que ce que Jésus a à leur dire a de quoi les désarçonner. Alors qu'ils s'attendent à un miracle, alors qu'ils s'attendent à quelque chose, voilà, de glorieux, de magnifique à voir, le Seigneur se retourne vers eux et leur dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Soyons clairs, pour nous, c'est une parole qui coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais pour les gens de l'époque, c'est une parole qui venait les toucher jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Parce que porter une croix, tous ces gens savaient ce que c'était. Parce que la croix était le châtiment, la crucifixion était le châtiment favori presque des soldats romains. Les Romains se plaisaient à crucifier leurs ennemis. Vous avez peut-être, les plus jeunes, vu la série il y a quelques années, Spartacus, et sinon pour les plus âgés, vous avez vu peut-être le film à l'époque encore plus ancien avec Spartacus, et sinon vous connaissez peut-être l'histoire de ces gladiateurs qui se sont révoltés contre Rome. Ils étaient là plusieurs milliers à vouloir se libérer de ce joug, et ils ont combattu les légions romaines, mais Rome a fini par l'emporter. Et il nous est dit que depuis le sud de l'Italie où ils ont perdu, en remontant toute la voie Appia, la Via Appia qui allait jusqu'à Rome, eh bien, les Romains avaient crucifié là plus de 6000 hommes. Croix après croix après croix. Et partout dans tout l'Empire romain, on voyait des croix. C'est pas comme chez nous où on voit des croix au détour d'un carrefour. Ce sont des croix en bois, en plâtre, en tout ce que vous voulez. Non, sur ces croix-là, sur ces croix de bois, ils avaient vu des hommes souffrir. Et la mort de la croix était la plus terrible qu'on puisse imaginer. Les Romains étaient devenus experts maîtres à faire mourir les gens lentement à la croix. On raconte que parfois, il fallait une semaine pour qu'un homme finisse par mourir. Et pendant une semaine, il souffrait de toutes ses douleurs. Les poignets cloués, les pieds cloués. Nuit, jour, jour, nuit, chaleur, froid. Et c'était comme ça jusqu'à ce qu'il finisse, au bout de ses forces, par baisser la tête et mourir. Et peut-être parmi les gens qui suivaient Jésus, certains avaient été les témoins directs de ces choses. Et peut-être certains même avaient perdu certains de leurs amis, de leurs proches, exécutés à une croix. Et ce que je dis là, c'est pour vous faire comprendre, pour vous mettre un peu dans le contexte de cette parole, qui pour nous, si elle coule comme de l'eau sur les plumes d'un canard, pour les gens de cette époque, elle est venue comme une épée qui les a transpercés, une parole choquante, hyper choquante. Ils s'attendaient à entendre parler d'amour, de compassion, à entendre parler de guérison, à voir des choses miraculeuses, et voilà que Jésus, et on pourrait dire Jésus, t'es vraiment pas un communicateur doué, hein. Parce qu'au lieu de leur donner ce qu'ils ont envie ou ce qu'ils veulent entendre, tu viens de leur dire quelque chose qui les prend vraiment à rebrousse-poil. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'était la première fois que Jésus parlait de la croix en public. Il l'avait déjà annoncé à ses disciples, mais c'était dans un cercle privé. Mais là, pour la première fois, le Seigneur parle de cette chose-là. C'est quelque chose qui sort d'on ne sait pas où. Mais comment nous parle-t-il de ça? Et peut-être ce soir, tu es là dans ce lieu, et tu es venu dans ce lieu avec peut-être d'autres attentes. Ah, on va me parler de l'amour de Dieu, on va me parler de la compassion de Dieu, on va me parler de toutes choses que Dieu veut faire dans ma vie. Et si tu, voilà, et peut-être des choses que tu t'es dit concernant la religion chrétienne ou tout ça. Et ce soir, tu entends ce message et peut-être que ce message va à contresens de ce que tu voulais entendre. Pourtant, ça demeure la parole que le Seigneur nous adresse à chacun.
Quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. Et nous devons entendre ce message. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens, et certainement dans certains endroits, des foules s'empressent quand il s'agit de miracles, de guérisons, de faveurs, de toutes sortes de choses. Mais la question véritable, c'est qu'en est-il lorsque la croix est prêchée ? Qu'en est-il lorsque la croix est prêchée ? Je voudrais vous parler ce soir de trois manières de porter la croix. Et la première de ces manières, c'est de parler d'un homme qui n'a pas porté sa croix. Matthieu chapitre 27, versets 15 à 27, si vous prenez votre Bible ou alors peut-être Michael arrivera à mettre le texte à l'écran ou alors vous regardez sur vos applis. Matthieu chapitre 27, verset 15, on va faire la lecture jusqu'au verset 26, j'ai fait une erreur. 15 à 26. Matthieu 27, 15 à 26, ça sera la lecture la plus longue ce soir. À chaque fête, le gouverneur romain, qui s'appelle Pilate, avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Et ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Et pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Et les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Alors, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Et Pilate leur dit « Mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Et tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Et le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Et Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. La première façon de porter sa croix, c'est de ne pas la porter. Et à vrai dire, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est de comprendre que quelqu'un a porté notre croix à notre place. Et celui-là, c'est Jésus de Nazareth. Il y avait donc dans les prisons du gouverneur romain Pilate, une bande de brigands qui avaient été arrêtés pour révolte et puis pour meurtre, et notamment leur chef Barabbas. Et après un procès rapide, sans possibilité d'appel, les juges romains avaient condamné Barabbas et ses complices à la mort par crucifixion. Et Pilate se faisait un plaisir d'attendre le grand jour de la fête de Pâques pour dresser trois croix et y mettre Barabbas et ses deux complices juste à la sortie de la ville afin que tous les gens qui étaient venus à Jérusalem pour fêter la Pâque soient confrontés à ce triste spectacle comme une grande leçon, une grande menace. Attention, si vous vous levez contre Rome, voilà ce qui va vous arriver. Tout était en place et la police de Pilate allait faire son travail ce jour-là et mettre à mort ces trois hommes. Seulement le matin très tôt, Pilate est réveillé en ce début de journée de préparation de Pâques, et voilà que les chefs juifs lui amènent un homme. Qui est-il ? Qui est-il cet homme ? C'est un certain Jésus, de Galilée, un prophète de Galilée. Mais quel mal a-t-il fait ? Oh, il prétend ceci, il prétend cela, être le Fils de Dieu et ceci, être le Messie. Pilate l'interroge, il ne voit pas grand danger en lui. Et en plus, voilà donc que sa femme le met en garde. Attention, c'est injuste. Et Pilate est bien embêté. Et même s'il n'a pas grand-chose à faire de ce Jésus, en tant que juge, ça l'embête quand même de condamner un innocent, voyant bien que Jésus a été amené là par la jalousie des chefs juifs et non pas pour un motif réel.
Alors il essaye de se débrouiller au mieux de la situation et puis il se rappelle qu'à cette coutume, ah, le jour d'une fête, je peux demander à la foule de choisir entre l'un ou l'autre des condamnés et leur permettre d'en relâcher un, celui qu'elle désire. Alors c'est ce que Pilate va faire. Il va prendre Jésus qu'on lui a amené, dont il ne sait pas trop quoi faire et donc il n'a pas vraiment envie de faire mourir, puisque c'est ce que les chefs juifs lui demandent, fais-le mourir. Et seul le Romain peut décider de faire mourir quelqu'un par la croix. Les Juifs n'en ont pas l'autorité. Il y a donc ce Jésus, et puis il y a donc Barabbas. Oui, alors là, Barabbas, celui-là, il voulait vraiment s'en débarrasser parce que c'était un meurtrier, c'était quelqu'un qui posait des problèmes à Rome. Et là, il était vraiment décidé, lui, à lui faire passer la journée à trépas. Mais comment se débrouiller? Alors, il présente ces deux hommes à la foule qui est là devant le tribunal, qui est rassemblée, mais il ne sait pas que c'est une foule qui est excitée. Les chefs sont là, les chefs sont en train de mettre la pression, et puis il s'adresse. Alors, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Est-ce que je vous relâche ce Barabbas, hein, ce voleur, ce meurtrier, cet homme violent, ce terroriste, ou je vous relâche ce Jésus? Oui, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Hein. Et puis il voit que la foule est animée de haine, de colère, attisée derrière par ses chefs, qui lui demandent « Relâche-nous Barabbas, relâche-nous Barabbas !» Vous relâchez Barabbas, mais que vais-je faire de Jésus? Crucifie-le! Vous êtes certains? Crucifie-le! Crucifie Jésus! Et Pilate, ne voulant pas envenimer la situation, le texte nous dit, c'est de là que vient cette expression que vous connaissez bien, se laver les mains d'une situation, c'est-à-dire, maintenant, moi je laisse tomber. Et c'est ce qu'il va faire. Il va dire, vous voulez la mort de Jésus, ben je vous donne ce Jésus. Et puis Barabbas, lui, il fera ce qu'il veut, il est libéré. Et c'est ainsi que Jésus a été conduit à la croix de Golgotha, sur une croix qui n'avait pas été fabriquée et préparée pour lui, mais pour un meurtrier, pour un voleur, pour un terroriste. Jésus est mort à la croix et Barnabas est parti libre. Barabbas est parti libre, pardon. Mais je voudrais que vous réalisiez que là, il n'est pas simplement question de la croix de Barabbas, il est question de la croix de chacun d'entre nous. Parce qu'il est une croix sur laquelle nous devions mourir. La croix de notre condamnation. Car nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Nous sommes tous quelque part meurtriers devant Dieu, voleurs devant Dieu. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Et la justice de Dieu est sans appel. Et cette justice demande la condamnation et la mort des pécheurs. Et l'image de la croix est une image de ce qu'est la condamnation des pécheurs. Une mort qui n'arrive pas. Une semaine à mourir sur une croix nous annonce déjà ce que sera cette douleur, cette souffrance incomparable, inégalable, d'une mort qui n'arrive jamais, de cette mort de l'enfer. Mais la volonté de Dieu n'est pas de nous envoyer en enfer. L'amour de Dieu le presse à nous donner, à nous pourtant, hommes pécheurs, une espérance et un salut. Et ce que la Bible nous dit, c'est que cette croix qui était préparée pour chacun d'entre nous, cette croix qui était semblable à celle de Barabbas, c'est Jésus qui y est monté. C'est Jésus qui l'a pris. Et c'est sur cette croix, sur ma croix, sur ta croix, que Jésus a été crucifié. Il est mort pour nous. Il est mort à notre place. Il est mort afin que nous puissions être libérés. Voilà ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix, au jour de Pâques. Il est mort pour toi, il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort en portant nos péchés, en expiant nos péchés. Son sang a été versé afin que Dieu puisse nous pardonner. La colère et le châtiment sont tombés sur Jésus. Barabbas a été libéré, lui le voleur. Et si tu crois que Jésus est mort à la croix pour toi, eh bien, comme en ce jour de Pâques,
Dieu te dit, je te rends libre. Quelle que soit la situation de ta vie, ton passé, ton présent, toutes les choses que tu peux cacher, les plus honteuses, ou quel que soit ce que tu es là aujourd'hui, Dieu n'en tient pas compte, parce que tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix. Voilà ce qu'est le centre du message de l'Évangile, de comprendre que le salut consiste en ce que Jésus a porté notre croix à notre place. Il est mort pour nous à la croix. Si tu crois cela, alors tu as le pardon de tes péchés et tu es en paix avec Dieu et tu es libre devant le Seigneur. Quel beau message! Quel beau message! Qu'est-il arrivé de Barabbas? Je ne sais pas. Il y a des films anciens à Hollywood qui ont été faits sur lui, mais c'est qu'Hollywood, ça. Je ne sais pas ce que Barabbas est devenu. L'histoire ne le dit pas, il s'est perdu dans l'histoire. J'espère qu'il a pu réfléchir à sa vie et vraiment mettre sa vie en règle avec Jésus. Et ce soir, alors que tu entends ce message, et que tu entends que Jésus est mort à la croix pour toi, qu'il a souffert à la croix pour toi, qu'il a expié tes péchés à la croix, qu'il a supporté ton châtiment, j'espère que, alors que tu considères cela, et que tu places ta confiance en lui, et que tu saisissant cette liberté que Dieu te donne, tu dis, Seigneur, je veux faire de ma vie quelque chose qui soit une réussite. Tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. Tu es mort pour moi, je veux vivre pour toi. Voilà le message de l'Évangile. Voilà donc comment on peut commencer à porter sa croix, c'est donc de comprendre que Jésus l'a pris à notre place. Et puis, il y a une seconde façon. Et cette seconde façon de porter la croix, c'est de la porter avec Jésus. Et là, c'est pas pour notre salut, mais c'est parce que nous voulons lui signifier que nous sommes ses disciples et que nous nous engageons à sa suite. C'est ce que Jésus avait dit à la foule lorsqu'il s'est retourné vers elle en lui disant « Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » La deuxième façon de porter la croix, c'est donc de la porter avec Jésus. Et je lis ce verset de Marc 15, 21 qui est à l'écran. « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre, et de Rufus. » Il y a un homme qui a porté la croix avec Jésus. C'était Simon. Simon était originaire d'Afrique du Nord, la Cyrène, aujourd'hui le territoire de Libye. Il habitait donc en Israël. Peut-être sa famille était originaire de cet endroit. Et là, il avait des champs. J'imagine bien qu'il a eu une bonne journée de travail. Il s'en revenait des champs. J'en ai bien rempli. Et puis en plus, ce soir, c'était une soirée spéciale parce que c'était un Shabbat. Vous savez ce que c'est un Shabbat? Ça commence le vendredi soir en Israël, hein, chez les Juifs. C'est le jour sacré qui commence le vendredi soir et qui finit le samedi soir vers 18h. Et donc, il voulait se préparer pour ce Shabbat très particulier parce que c'était le Shabbat de Pâques. La grande fête de Pâques qui rappelait la délivrance d'Israël de l'Égypte. Alors j'imagine qu'après toute cette journée de travail, il avait encore des choses à préparer avec sa famille et que ce soir, ils allaient ensemble partager le merveilleux repas de Pâques, ce qu'on appelle le Seder. Et donc, il avait plein de choses dans la tête. Mais voilà qu'en rentrant chez lui, une grande foule est là, le long de la voie principale qui sort de Jérusalem. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, beaucoup de cris. Et puis des soldats romains aussi. Et au milieu de ces soldats romains, trois hommes portant des croix. Il y a les deux brigands, et puis il y a ce troisième homme. C'est Jésus. Nous l'avons lu à la fin de la première lecture. Avant d'être livré à la croix, Jésus fut flagellé. Vous savez, la Bible est très soft lorsqu'elle parle des souffrances de Jésus en ce terrible jour. Et peut-être plusieurs d'entre vous avez vu La Passion de Christ, le film de Mel Gibson, qui donne une idée de ce qu'ont été véritablement les souffrances de Jésus. C'est un choc terrible. Et voilà qu'après toute cette souffrance subie,
eh bien, Jésus devait porter ce qu'on appelle le patibulum en latin, c'est la traverse de la croix. Mais attention, ça n'a rien à voir avec ce bout de plastique qui est là, parce que ça, c'est du plastique, ça. Ça, c'est pas la croix, hein. C'est juste du plastique. Mais la croix de Jésus, c'était une espèce de poutre de bois, quelque chose de lourd qu'il devait prendre. Je ne sais pas s'il la mettait en traverse ou comme ça, je ne sais pas où, en la tirant un petit peu. Et il faut réaliser, son dos est lacéré par le fouet. Ses blessures sont à vif. La fatigue terrible est là, les coups sont venus. Et Jésus doit porter ce poids à travers toute la ville. Il y a les gens qui crient, qui hurlent. On est en Orient, les femmes hurlent. Les Romains sont là avec le fouet. Ils tracent un chemin à travers la foule. Et il faut porter cette croix jusqu'à la sortie de la ville, jusqu'à ce rocher de Golgotha. Golgotha, c'est le rocher en forme de crâne qu'est la sortie de la ville. Il va falloir amener la croix jusque là-bas. Et Jésus est épuisé, fatigué. Il n'en peut plus. Il tombe à terre et les soldats le poussent pour le relever. Il avance, il n'y arrive plus. Alors un des légionnaires romains va regarder autour de lui et il va chercher un homme suffisamment fort qui est là. Toi, là, toi, viens. Allez, tu vas te mettre au travail, tu vas porter la croix. Et c'est Simon. Et Simon n'a pas grand-chose à dire parce que c'est le Romain qui l'appelle. Et Simon doit venir soulager Jésus et prendre avec lui ce morceau de bois. Il aurait pu dire, mais ma famille m'attend. Il aurait pu dire, mais j'ai eu une longue journée de travail, mais il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire, il ne peut pas échapper à cela. Il doit porter la croix. Allez, on y va. On y va. Appuie-toi sur moi. Je prends la croix, mais appuie-toi sur moi, on y va. Et à ce moment-là, Simon partage les souffrances de Christ. Mais il partage aussi nos souffrances. Parce que Jésus, à la croix, portait nos souffrances, il portait nos maladies, il portait tout ce que nous pouvons subir. Et Simon s'est associé à Jésus. Et là, celui qui ne porte pas ma croix ne peut être mon disciple. Et là, il a commencé à être un disciple de Jésus-Christ, à porter aux côtés du Seigneur ses souffrances que lui-même portait pour le monde. Et vous voyez, ça, c'est l'image du disciple véritable. L'image du disciple, c'est celui qui est à côté de Jésus pour porter la croix de la souffrance d'un homme, d'une femme qui nous entoure. Que ce soit dans la prière, dans le témoignage, dans l'amour qu'on amène. Ce n'est pas Jésus qui est à côté de toi, mais c'est peut-être cette jeune femme, c'est peut-être cet homme brisé, c'est peut-être ce couple qui est au bord de l'explosion. Et le Seigneur te dit, voilà la croix que tu dois porter. Eux, ils n'en peuvent plus. Ils sont éprouvés. Leurs nerfs sont à vif. Ils n'ont plus de force. Ils n'y arrivent plus. Et le Seigneur t'appelle et il te dit, comme le Romain l'avait dit à Simon, allez, viens porter la croix. Eh mais j'ai du travail, moi. Je m'en reviens des champs, j'ai une longue journée. J'ai ma famille qui m'attend, j'ai plein de choses. Et Jésus te dit, non, ce soir, tu peux pas. Je te dis, non, tu peux pas. Maintenant, tu dois prendre cette croix. À la manière de Simon. Tu ne t'en retourneras pas là, tu ne retourneras pas chez toi tout de suite. Tu dois d'abord partager cette croix avec celui ou celle-ci qui souffre. Alors Simon était là à côté de Jésus. Mais ce que Simon a vécu dans ce moment-là, aucun autre homme l'a vécu. Parce qu'il a communié aux souffrances de Christ. Il sentait le souffle rauque de Jésus. Son corps brûlant de fièvre.
sa transpiration qui peut être perlée sur lui. Le sang des blessures de Jésus qui commençait à couler sur son vêtement. Quel autre homme a connu autant l'intimité des souffrances de Jésus que Simon ? Mais mon frère, ma sœur, chaque fois que tu réponds à l'appel de Dieu pour partager les souffrances d'un homme ou d'une femme, sache que tu es dans la position de Simon à côté de Jésus. Et que dans ces moments-là d'engagement, tu vas connaître véritablement ce que fut l'amour de Jésus-Christ. Et c'est comme si alors la transpiration, la chaleur du corps de Jésus, le sang du corps de Jésus allait venir sur ta vie. Et l'apôtre Paul dit, connaître Christ et la communion de ses souffrances, Philippiens chapitre 3, verset 6. C'est la seconde manière de porter la croix. Et puis Simon est arrivé avec Jésus, ça a pris du temps peut-être, mais ils sont arrivés au sommet du rocher du Golgotha, à l'endroit de la crucifixion. Ils ont chaviré le patibulum. Et puis j'imagine Simon se retourne vers Jésus. Désolé. Peut-être bouleversé, parce que c'est ce qui l'attend, mais qu'est-ce que je peux faire de plus ? Puis se tournant vers les Romains, peut-être en reculant, disant, mais moi ça s'arrête là, j'ai fait ma part. Et puis, il s'en retourne chez lui. Alors qu'on est en train de planter les clous dans les mains et les pieds du Seigneur. C'est aussi là l'image de beaucoup de chrétiens. De suivre Jésus sur cette via dolorosa, cette voie de douleur, ce chemin de douleur jusqu'à Golgotha. Mais quand vient le moment ultime, décisif, de l'engagement suprême, de la consécration totale, de dire, Seigneur, je renonce à tout ce que je suis, à tous mes projets, à toute ma vie pour te suivre jusqu'au bout. Eh bien, on va dire, Seigneur, maintenant, j'ai fait ma part et je retourne vers les miens. Et nous sommes beaucoup à aller jusque-là, mais ne pas aller plus loin. Ça, c'était la seconde façon de porter sa croix, mais il en existe une troisième. Et la troisième manière de porter la croix, c'est d'être crucifié avec Jésus-Christ. Ce que veut dire être crucifié avec Christ. Cet homme s'appelait Paul, l'apôtre Paul. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, vous voyez le verset, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ ». Parce que Paul a véritablement livré sa vie tout entière à Jésus. No limit. Une vie pour la cause de l'Évangile, une vie pour la cause du royaume de Dieu, une vie pour la cause du salut des hommes. Et il est allé jusqu'au bout de l'engagement. Il n'a jamais dit non. Il n'a rien refusé. Et l'apôtre Paul écrit aussi, dans Colossiens 1, 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Je crois que c'était la diapo suivante. « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. »
Il fut battu plusieurs fois de verges. Il fut lapidé. Les gens le laissant pour mort presque. Il fut frappé, mis, toutes sortes de choses. Tout ça pour la prédication de l'Évangile. Et Paul était tellement marqué dans sa chair que toujours dans cet épître aux Galates, au chapitre 6, verset 17, à la fin, il dit qu'il portait les stigmates de Christ. Les stigmates. Les stigmates, c'est, vous savez, c'est la marque du clou. La marque des coups, la marque des épines, la marque de la lance. Et il dit quelque part, il les portait sur son corps. Son dos témoignait de tous les coups qu'il avait reçus pour le royaume de Dieu. Sa vie était un témoignage de tout ce qu'il avait porté pour Jésus-Christ. Et il pouvait dire, oui, d'une certaine manière, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que nous allons mourir sur une croix, non. Mais en même temps, je veux me rappeler, et dimanche, nous parlerons de l'Église persécutée. Et nous devons nous rappeler, nous souvenir toujours, nous particulièrement en Suisse et dans nos pays d'Europe occidentale, que dans le monde entier, et vous le savez, pour certains, c'est votre pays, c'est vos pays, des chrétiens souffrent véritablement jusqu'à la mort pour le nom de Jésus-Christ. Et qu'ils portent sur leur corps les stigmates de Christ. Et c'est une réalité qui est là. Des milliers de chrétiens sont mis à mort tous les ans, simplement parce qu'ils témoignent de Jésus-Christ. Mais quand on parle d'être crucifié avec Jésus-Christ, c'est aller jusqu'au bout de l'appel que Dieu nous adresse. C'est-à-dire, Seigneur, je suis prêt à laisser toute ma vie, tout ce que je voulais, tout ce que je pensais, tout ce que je rêvais, tout ce que j'imaginais, pour me livrer tout entier à ta volonté, pour faire ta volonté aussi loin que ta volonté m'amènera, quels que soient les combats, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs qu'il nous faut supporter. Quand bien même ce serait la morsure du fouet, du clou. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Et c'est ce que bien des hommes ont fait à travers les siècles. La plupart des chrétiens en restent au niveau 2. Mais quand Dieu trouve des hommes ou des femmes qui sont prêts à aller jusqu'au niveau 3, avec eux, il bouleverse le monde. Parce que soyez convaincus que lorsque quelqu'un livre sa vie à Jésus-Christ jusqu'à être prêt à mourir à la croix, celui qui meurt en Christ participe à la résurrection de Christ. Et à travers cet acte d'engagement, la gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Et des villes et des nations entières sont bouleversées. Et Dieu cherche encore des Paul qui sont prêts à aller jusqu'au bout de l'appel qu'il met sur leur vie. Je finis en posant cette question maintenant. Ce sera la dernière diapo. Jusqu'où? Ce soir, je ne sais pas par quel niveau tu peux être concerné. Nous pouvons réfléchir à tout cela. Trois niveaux. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur se retourne vers nous avec ce message qui vient nous éprouver. Tu es venu peut-être pour voir quelque chose, tu es venu pour une grande fête, une célébration pleine de joie, pleine de bonheur, et ce soir tu as entendu un message qui peut-être t'a troublé, t'a choqué, t'a violenté. C'est un message qui vient nous fouiller jusqu'au plus profond de nous-mêmes. C'est ce que le Seigneur disait, et le Seigneur te met face à ces réalités. Voici mon message, voici l'Évangile, c'est l'Évangile de la croix. Et ce soir, comment vas-tu répondre à ce message? Es-tu de niveau? Es-tu encore au niveau 1? Alors saisis la vie que Jésus veut te donner. Considère qu'il est mort pour toi. Peut-être sens-tu l'appel du Seigneur. Alors sois prêt à t'engager pour lui. Et peut-être viendra vraiment ce moment où il te dira, hey, « Hé, mon gars, ma fille, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Sois prêt à aller jusqu'au bout. » On va incliner nos fronts, peut-être la louange va pouvoir nous accompagner. On va prendre le temps ce soir de nous placer vraiment devant le Seigneur. Et si dans tout ce que j'ai pu partager avec vous, il y a quelque chose qui est venu toucher votre cœur, mais plus que mes mots, vous comprenez, mes mots, ce sont des mots, mais je crois que le Saint-Esprit est capable de parler maintenant à nos cœurs, à ton cœur, qui que tu sois. Je crois qu'il y a une part de ce message pour chacun d'entre nous ce soir.
Et je vais demander aux conseillers, aux frères et sœurs qui sont là pour la prière de s'approcher. Et si toi, tu as, il y a quelque chose, Jésus est venu te parler. Mon frère, ma sœur, mon ami, toi, peu importe le niveau où tu en es. Mais si ce soir, le Saint-Esprit te parle et te dit, ça te concerne. Alors je voudrais t'inviter à t'approcher sur le devant. Pendant que la louange va commencer à nous porter dans un chant, et nous allons tourner nos regards vers le Seigneur. Eh bien, nos frères et sœurs vont être là et vous allez pouvoir vous approcher. On veut être dans cette simplicité, dans cette liberté de prier les uns pour les autres, de prier pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, de prier pour ceux qui découvrent la foi comme de prier pour ceux que le Seigneur maintenant appelle à un engagement total pour lui. Est-ce que tu as entendu la parole du Seigneur ce soir ? Pas simplement mes mots. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur maintenant ? Est-ce qu'il est en train de t'adresser ce message de l'Évangile ? Alors si c'est là, je voudrais t'inviter à t'approcher, de Jésus et à venir et nous allons prier pour toi pendant que Alnor nous conduit dans un champ. N'hésitez pas à vous approcher.
cœur parmi nous de revenir à l'autel. À l'autel de notre engagement, à l'autel de notre consécration. C'est le temps de revenir encore une fois au cœur de l'Évangile, au pied de la croix. Peut-être ça fait longtemps, mon frère, ma sœur, que tu n'as pas visité Golgotha, que tu n'es pas remonté sur ce rocher. Et ce soir, tu as peut-être besoin de retrouver ce sens à ta vie chrétienne. Tu as besoin de retrouver ce sens des communions aux souffrances de Jésus-Christ. Tu as besoin de ranimer en toi cette flamme, cet amour de la prédication de la croix, du message de la croix, du mystère de la croix, avec le désir de vivre toujours plus le mystère de la croix. Alors je vais m'adresser à des frères et sœurs peut-être. Ce soir, alors que tu entends ce message, oui, le Seigneur veut te ramener à lui, te ramène à Golgotha, comme pour te relancer dans ta vie chrétienne. Tu cherches, tu dis, mais qu'est-ce qui me manque? Je voudrais trouver un nouvel élan. C'est là, à Golgotha, que tu le trouveras. Y a-t-il un frère, une sœur, quelqu'un qui veut répondre dans ce sens? Alors je l'invite encore à se lever. Je l'invite à s'approcher. Alléluia. Peur de lâcher, peur d'abandonner, peur de souffrir aussi pour le nom de Jésus. Mais le Seigneur te dit, je ne te laisserai jamais tomber. Si tu veux t'avancer, si tu veux venir vers moi, je suis là, mes bras sont ouverts pour toi. Et je te conduirai sur ce chemin. C'est vrai que ce chemin ne sera pas toujours facile, mais tu seras toujours dans mes bras. Et c'est moi qui ferai les pas avec toi. Alors laisse tomber tout ce que tu dois laisser tomber, mais fais ce pas avec moi ce soir. Fais ce pas, fais un nouvel engagement dans ta vie, parce que je t'appelle, parce que tu entends ma voix. Mais ne crains rien, parce que je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Même si des personnes t'abandonneront, moi je serai avec toi et je te donnerai d'autres amis, je te donnerai d'autres personnes avec qui tu pourras partager. Mais ne crains pas de perdre certaines choses, parce que ces choses vont t'emmener en enfer. Mais moi ce que je veux, c'est t'emmener avec moi pour l'éternité. Et le Seigneur te dit, ne tarde pas à venir. Viens vers moi, fais ce pas encore, fais ce pas, n'hésite pas, n'hésite plus, mais fais ce pas, parce que j'ai de grandes choses pour toi, te dit ton Dieu. Il me semble ce soir que tu as des angoisses et je vais te rassurer dans la personne de Jésus, parce que lui a connu des angoisses épouvantables à la croix. On a entendu ce soir un message percutant, c'est l'Évangile. C'est le sang de l'Évangile. Je le disais tout à l'heure en introduction, il n'y a pas un homme qui a connu ce que Jésus a connu. Et il n'y a que lui qui peut comprendre ce que tu es en train de vivre. Et d'avoir des angoisses, c'est quelque chose d'épouvantable. Si en toi tu as l'impression qu'il y a tout qui hurle et tu ne sais pas pourquoi, le Seigneur a connu ces angoisses-là. Il a même crié à la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il a été jusqu'au bout de l'impossible parce qu'il voulait être Seigneur jusque-là. C'est absolument extraordinaire. Même dans la souffrance et dans sa vie qui a été brisée par les hommes, Jésus a voulu être Maître et Seigneur. Il a été Seigneur jusque-là pour te délivrer. Alors ce soir, si tu sens que tu peux t'avancer pour être délivré de ces angoisses. Je ne parle pas de la peur du lendemain, je ne parle pas de ce qui est anxiogène peut-être, parce qu'on vient de plus en plus anxiogène dans notre société, on le sait. Je parle de quelque chose qui est au fond de toi, dans tes tripes, que tu n'arrives pas à expliquer. Et le Seigneur voudrait vraiment te délivrer de ces angoisses. Et si tu voudrais t'avancer ce soir, on peut encore prendre un chant, pour peut-être des choses intérieures, des choses qui sont en toi, des choses dont tu as besoin d'être délivré. Nous croyons à l'Évangile qui délivre,
parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut te délivrer de ces choses. Amen. Donc avance-toi, si tu as un autre besoin, viens, viens. Parce que la croix, c'est aussi le fait de Jésus qui accueille avec ses bras extraordinaires, ouverts, pour te délivrer, pour te guérir, pour te soigner, pour te rencontrer, pour témoigner l'affection qu'il a pour toi. Parce que c'est ce tendre agneau, on n'est pas là pour manipuler ce soir, mais on est là pour nous réjouir devant le Seigneur et de son œuvre extraordinaire. Donc dans la douceur de Jésus, tu peux être accueilli ce soir, quelles que soient tes circonstances. On va prier pour toi. Amen. Amen. On va prier. Merci au groupe de louange.
courage à, même si vous n'êtes pas avancé devant, à là, votre place, à juste prendre ce temps. Et juste ouvrir votre cœur à Dieu aussi, prendre ce temps et pas juste rester spectateur, mais prendre ce temps pour ouvrir votre cœur à Dieu, pour lui parler maintenant, parce qu'il connaît chacune de vos situations. Et je vous encourage vraiment à prendre ce temps pour vous. Alléluia, voilà, on a pris du temps ce soir. Priez les uns pour les autres, ça fait du bien. Si vous avez besoin de venir parler au pasteur, à nous, je sais qu'il y a les grands frères et grandes sœurs qui sont là pour les jeunes, n'hésitez pas, si vous voulez voir pasteur Nicolas. Ce message peut vous bouleverser un petit peu, mais c'est vraiment le message que nous devons tous entendre, il n'y a pas d'âge pour entendre ce message. Gardez-le dans votre cœur. Et au fur et à mesure, le Seigneur vous en révélera toute sa puissance dans votre vie. Alléluia. On va finir. Pour finir, je vais laisser la place à pasteur Jean-Paul. Voyez-vous les cadeaux qu'il y a là derrière ? Le Seigneur a tellement de cadeaux pour toi. Je pense que c'était vraiment une belle... plus qu'une image, mais plus qu'un symbole, une réalité. On a reçu vraiment des cadeaux ce soir. Donc ces cadeaux sont prévus, effectivement, pour être envoyés dans les pays qui sont défavorisés. Donc on remercie en tout cas toute l'équipe qui ont confectionné avec passion et patience et beaucoup d'amour ces paquets d'amour. Et ce soir, que les paquets d'amour du Seigneur soient déversés dans vos cœurs. Amen. C'est une grâce vraiment d'avoir vécu ce temps. Nous sommes tellement honorés d'être parmi vous. Et merci en tout cas de nous accueillir, nous les plus âgés. C'est tellement super de pouvoir grandir ensemble. Amen. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on peut juste, se lever et puis je vais conclure. Et comme le pasteur Franck l'a dit, on reste à vos dispositions s'il y a encore des besoins de prière. Nous sommes avec vous. C'est vrai, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu es notre Dieu qui nous a précédés juste dans la mort la plus horrible qui soit pour nous délivrer de l'enfer. Seigneur, nous te bénissons. C'est avec beaucoup de respect que nous considérons le sang de l'Alliance par lequel nous avons été scellés, Seigneur. Le sang de l'agneau, l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. Dire, Seigneur, que tu avais déjà prévu de nous sauver, Seigneur. Tellement ton amour a été grand. Ça nous dépasse. Seigneur, tu nous dépasses et on aime être dépassé par ce Dieu tellement extraordinaire. Père, merci de bénir chacune des réalités des vies ici, Seigneur. Tu les connais. Nous bénissons aussi toutes les familles représentées ici, Seigneur. Il y en a, Père. Merci parce que l'Église est constitué des familles qui ont été bénies en Abraham par la foi.
Ton plan est parfait, Père. Nous sentons tellement bien dans ta présence, dans la grâce et la bénédiction que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus, amen. Et je dis shalom, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Belle soirée. Merci aussi à celles et ceux qui ont suivi. Soyez bénis dans vos foyers. Et que Dieu vous garde dans la joie du Seigneur qui est notre force. Amen. Soyez bénis. Merci. Bonne soirée. Au revoir.